Nous sommes à Tipiwé, une forêt dense du territoire des Béni, où s'est fait une coupe systématique des bois pour la fabrication des planches. Ces planches sont ensuite transportées dans les véhicules et beaucoup plus sur les vélos pour atteindre les différents points de vente dans la ville des Béni. Zingine zatokea Ringeti, zingine zatokea Lukaya, Kandine, Mayangose mbayo yote Tabiakato, Lwemba, yote mbayo tunapokea hapa. Un business qui se fait sans aucune réglementation, le reboisement n'étant pas l'une des priorités. Hapa ku depot tunauzisha mbao. Mbele tulikuwa na tuna fisi kukuvunani kuwazia kupanda miti. Mbele umu tunakataka kwanza tuko naogopa juba nalu. Make tunastukiaka kwanza tukate na tutoke mbio. La coupe de bois à Béni sert aussi à la fabrication de la braise dans une zone où il n'y a pas l'électricité. Certaines vendeuses souhaitent tout de même un plat de reboisement de la région. Si la forêt n'est pas préservée à Béni, cela pourrait avoir un impact sur les changements climatiques dans cette région où il fait déjà extrêmement chaud.